Crois que oui? Hein? Je pense que oui. Salut Marie, c'est maman. Je t'appelle pour prendre tes nouvelles et savoir comment t'allais. Je sais pas si t'as donné ton numéro de téléphone au médecin, mais il a appelé ici pour te dire que c'était super important que tu continues à prendre tes médicaments. Tu as arrêté de les prendre? Tu sais que c'est important hein, pour ton cœur. En tout cas, ça va bien ici. Tes frères ont des super de bonnes notes. Et Guillaume rentre. Ah, il faut que je te laisse ton préfère à ton spectacle pas. On t'aime là. Bye. Allô? Passé une belle journée. Ouais, mais c'était plus brillant que d'habitude. Ah ouais. Ils ont toujours pas fini les travaux à côté. C'est quoi l'excuse de tes parents cette fois-ci? Je trouve que mon frère était plus important. C'est pas la semaine prochaine? J'ai faim. Viens-tu? Ça vient de nous coûter 200 pièces d'épicerie. T'as vu ça? Une autre fusillade d'une école primaire. Ouais, je sais, c'est horrible. Pense aux parents qui vivent ça. C'est décrissant. Imagine perdre un enfant. Je suis enceinte. Tes doigts me tassent, je ne peux plus parler. Tes bras m'apaisent, je peux respirer. Mon corps est lourd, tu sais le porter. Tu me demandes la vérité. Je t'aime toujours. Je comprends pas ce que ça veut dire avec les petits oiseaux là. Ils commencent vraiment à me taper ses nerfs. C'est quoi? Tu te sens enfermé, hein? Tu te sens emprisonné? Non, mais sérieux. Ton or est insignifiant. Ça veut rien dire.
Je trouve que les films d'horreur sont plates, pas réalistes. C'est ridicule. Pourquoi le monde écoute ça? Parce qu'ils aiment ça avoir peur de trucs surnaturels pour oublier de quoi ils ont vraiment peur. Puis toi, Tristan? De quoi t'as vraiment peur? Salut! Comment était ta journée? Encore pitoyable, j'imagine. On s'en fout, hein? Moi, je suis allé au zoo avec ma mère, puis on a flatté des bébés pandoros. T'imagines? Des bébés pandoros, c'est fou, hein? Oh, tu manges pas? Disbar. Je me suis tellement forcé, en plus. Quoi que c'est de ma faute, j'ai quand même fait une trop grosse portion. Ça te dérange-tu, je t'en prends un peu? Tu manques vraiment le quoi, c'est tellement bon. T'as vraiment peur de ça, toi, les fantômes? Tu crois vraiment à ça? Imagine ton âme qui observe les échecs de tes enfants pis tes petits-enfants pour l'éternité. Penses-tu vraiment que ta mère serait fière de toi? T'es-tu déjà demandé, il était parti où ton père? Je veux dire, où est-ce qu'il est allé? Avec qui il habite? Je dirais, il pourrait habiter avec n'importe qui. Il pourrait habiter tout seul, comme il pourrait habiter avec une autre femme. Je sais, il habite encore avec une pute. Ouais, fait beau dehors, hein? Pourquoi tu restes là à te morfondre, hein? Tu saurais peut-être sortir de temps en temps. Tu paraîtrais moins minable. Bon! Ça part dehors. Bon ben, c'est tout. J'espère que tu vas bien. Je t'aime. Bye bye! Thank you.
Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.